bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes au zoo de la Flèche. Voilà, on va vous montrer tout ça. Donc le zoo de la Flèche, hein, y a toute une émission à la télé sur le zoo de la Flèche. Jeanne connaît tous les soigneurs, tout le nom des soigneurs. On va peut-être en croiser quelques-uns, comme ça elle pourra dire bonjour. Et puis surtout, on va aller voir plein d'animaux fantastiques, quoi. Donc je vous dis à tout à l'heure, ou à tout de suite, hein, étant donné que c'est une petite vidéo sympathique qui s'annonce. À tout à l'heure, bisous. Oui, t'es contente alors? Oui, très contente. D'aller où? Le tour de la Flèche. Alors dès qu'on rentre, on est vraiment dans le vif du sujet et on attaque avec les flamants roses. Pourquoi c'est des perroquets? Ils sont beaux? Ouais. Ils sont beaux les perroquets? Ouais. Il tient sur une patte. Il est marrant. Il se repose la patte. Oh, c'est la bon. Bestiole non. Quoi. Une espèce de grosse bestiole. Il dort. T'as vu? Là, oui, ça bien, fait. Waouh! Ah, le monstre! Un girafon, oui. C'est maman qui me l'a dit. C'est où, Samy? Il a longtemps, moi. Bah oui, tu as de la mémoire. Un papa et une maman. Tu penses que c'est un papa et une maman et puis le girafon? Oui, je suis sûre. Et là, elle a des yeux de maman et l'autre, elle a aussi des yeux de papa. C'est immense. Qu'est-ce qui se passe là sur ses pattes? Clémence, regarde. Girafe. Et où le bébé girafe? Il y avait un bébé? Oui, il y a un girafon. Il est peut-être rentré. Coucou. Oh la bestiole! Mettez pas votre doigt hein, parce que ça pince. Ça pince. Ouais. T'as vu le gros oiseau? Une autruche. Oh la tête! Il y a beaux yeux. Ah oui, il y en a une autre. Deux, il y en a deux. Et il y a un kangourou là? Ouais. Et même un. Il arrive. Clémence, il va tomber là. Viens voir Clémence, viens voir. C'est l'homme de la vie. Oh le monstre! Coucou! Oh. Wow. Voilà! Voilà! Wow. Oh le monstre! Peut-être la maman, il ne va pas? Allez, voilà! Là! Le gros chat! Ah oui, c'est comme un gros chat! Le serval! C'est ce qu'on vient de voir. Kenya, Tanzanie. Totalement noir. Wow. C'est le grizzly. Mais lui, il est jeune. Hein. Son genre bébé. Pas ou quoi alors? Il a un petit peu peur des ours quand même. Qui ça? Doudou Panthère. Doudou Panthère, il a peur des ours? Nina, ça s'appelle. Et son vrai prénom, c'est Rose. Ah bon? Oui. C'est Nina Rose. Nina Rose à Doudou Panthère? Oui. Il a l'air de bien aller, ça va. Ça a l'air d'aller. Elle a pas peur. Alors il faut savoir que les vautours, ils ont bien failli disparaître dans notre monde. Ils étaient victimes de mauvaises légendes. Certaines personnes disaient que les vautours étaient capables d'emmener les enfants et le bétail dans les airs, ce qui est totalement impossible pour eux, car ils ne possèdent aucune force au niveau de leurs pattes. Toute leur force se situe au niveau de leur bec.
quatre adulants du bec et quatre gifles. Regarde, reste là. Reste là, regarde comme il est gros. Regarde son bec. Regarde comme il a un gros bec. Là. Oh, oh, oh. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas besoin de gants pour les manipuler car ils ne possèdent pas de serre comme les rapaces. C'est de toutes petites grises qui sont totalement inoffensives pour tous nos bras. Voilà, regardez comme ils vont. Vous avez besoin de gants ? Oui, on a un haut là, on peut lui. Tu vois le pommarron ? Plus lourd. Plus lourd. Je suis là. Comment tu as fait ? Une chouette. Ah, il y en a une autre ? Ah, monte-nous ta tête. Super. Alors, on va vérifier que tout le monde est bien suivi. C'était le déplacement de quel animal ? Le phoque, tout à fait. Rien à voir avec celui de l'otarie. Puisque l'otarie, grâce à ses grandes nageoires, eh bien, sans difficulté, l'otarie va soulever le poids de son corps et ainsi donc marcher. Si elle marche, bien sûr, elle est capable de courir, bien plus vite que nous d'ailleurs, et pourquoi pas même, si elle le souhaite, faire quelques petites acrobaties. Merci beaucoup, Jimmy. Voilà qui est parfait, Cookie et Jimmy. Oh le monstre! C'est impressionnant! Il y a Pépère qui est en haut. Comparaison, cela reviendrait pour une femme à mettre au monde un enfant de la taille d'un pouce. À 3 mois en revanche, ils sont déjà gros de 10 kilos et commencent à sortir de l'igloo. Pour leur mère, c'est alors la fin d'un jeûne qui aura duré 6 mois et pendant lequel elle aura perdu la moitié de son poids. Allez, plonge. Pas de beignet. Allez, Pépère, pas de beignet. Parce qu'il pourrait te manger. T'as vu Doudou Panthère ? Et ta maman ? Et ta maman ? Est-ce qu'elle va revenir ? Allez. Je coupe. Ça, c'est Nini. Non, Nini. Nini ? Nini. Nini est derrière, là. Ouais. Voilà. Non, ça, c'est, ça doit être Nini. Elle est derrière. Et mon bisou. Mais j'ai trop un bisou quand même. Oh la bourrie. Voilà, Fennec. Les Fennec, ça nous fait penser à Triple SD et le fameux groupe de rock nantais breton. Avec Florian Herry, au violon. Non, et puis, je ne sais plus comment ils s'appellent les autres. Ils m'ont regardé la batterie pour les aller. Les Fennec, on les voit pas très bien. Voilà. Voilà. Les souris bien avec le petit bébé. Entre ses pattes, là, regarde le petit bébé.
Ah, ça fait bizarre. Hein. Tu regardes comment il bouge la tête là-bas. Là. Allez, on garde la pile pour les éléphants. Un fourmilier. C'est impressionnant comme. Viens voir, c'est très beau. C'est beau, c'est beau hein, comme animal, oui, exactement. Viens voir le fourmilier. Regarde. Et voilà. Oh, ça c'est quoi tu dis pattes. C'est un loup à crinière. Un loup à crinière, ouais. Ça a des longues pattes. C'est ça, on dirait entre le loup et le renard. C'est beau, hein. C'est pas très beau. Et il y en a un deuxième. Ah, il arrive. Il arrive. Ils font leurs petits tours, ils n'ont pas trop grand. Ouais. Mais... Ils ont mis la queue. Voilà, c'est dans la... En Afrique. Il y en a qu'un ou ils en ont plusieurs? Ah, si, il y en a un autre là-bas. Un derrière. J'ai l'impression qu'il est petit celui-là comparé à l'autre. À la limite, garde un peu de batterie, on va aller filmer l'autre. D'accord? Alors lui, il est bien balèze. Hein. Coucou la grosse bête. Ah, il nous a fait coucou. Si, c'est vrai. Il t'a cligné de l'œil? Ouais, il m'a cligné de l'œil. Bon voilà, je crois que c'est les derniers animaux du parc ou pas?